Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier cuisine de Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo reportage. Alors Romain, que je ne vous présente plus sur ma chaîne, m'a donné rendez-vous dans sa ville à Mouzon, dans les Ardennes. Alors il veut me présenter un marché paysan qui se passe tous les mois dans sa ville, donc un petit peu local avec des produits locaux, vraiment des petits producteurs, un truc à mon avis très très sympa, j'ai hâte d'aller voir ça. Allez c'est parti, on le retrouve, il ne doit pas être très loin. Bonjour Romain, comment vas-tu? Et toi Jérémy? Bah moi super, alors c'est toi qui m'as donné rendez-vous ici à Mouzon aujourd'hui. Tout à fait, hein, on est juste devant l'abbatiale hein, de Mouzon, donc ici c'est le marché paysan, c'est le Mozomagus. Ah c'est un drôle de nom, c'est... Oui, c'est typique, hein, t'as l'impression que c'est pas un monstre, hein. Non. C'est beaucoup mieux qu'un monstre. Vous allez voir, à l'intérieur il y a beaucoup de produits locaux, forcément, des producteurs. Puis je te propose qu'on voit ça ensemble en image, hein, tout simplement. Bah oui, on va aller voir ça parce que ça a l'air très intéressant en tout cas. Puis en plus, des petits producteurs comme ça, il faut les faire vivre, c'est important. Ouais, puis on va faire une petite recette. Ah bah, avec plaisir, tiens. Tiens alors. Allez, c'est parti. J'habite pas loin. Ah bah, on va scruter ta cuisine alors. Ah, merci. Allez, c'est parti. Allez, madame, direct du producteur, hein. On arrive sur un premier stand qui sent très très bon. Ici, on fait des crêpes. Romain, je te laisse la parole. Ah, avec Marino, hein, figure emblématique hein, du marché paysan de Mouzon avec ses crêpes. Marino, tu peux nous expliquer un petit peu ta pâte à crêpes, un peu, comment, et puis les confitures qui sont là. Alors, ma pâte à crêpes est faite avec les produits de chaque producteur, c'est-à-dire ma farine, mes œufs, mon lait. Et donc, ce qui agrémente la crêpe, les confitures qui sont prises sur les vergers de Jean-Michel Thierry, qui est donc aussi producteur au marché paysan. Je fabrique ma pâte donc chez moi, je transporte dans des glacières et j'arrive et je fais mes crêpes devant les clients. C'est pour bon, ça que ça sent aussi bon. Ah, ça sent très très bon. Hein. De toute façon, il y a des gens pour nous qui vont déguster dans pas longtemps. Tout à fait. Hein? Et puis même, il y en a qui en prennent pour emporter le soir parce que ça leur fait leur petit souper. Oh, bah oui. Non sucré aussi pour faire avec du fromage. Tu les fais. Non, je n'en fais plus. J'en ai fait un petit peu, ouais. Mais non, c'était pas intéressant pour eux comme pour moi parce que bon. Après, dans la crêpe sucrée, la gourmandise. Voilà. Donc, voilà, c'est la gourmandise de l'après-midi aussi.
Mais maintenant, avec Monsieur Brûlé, je vous rassure, il n'a brûlé que son nom parce qu'il tient une boulangerie-pâtisserie qui a l'air sublime. C'est à Rocourt et Flabat et il va nous parler un peu de ses produits dont sa spécialité, c'est la brioche feuilletée. Et bonjour, donc la spécialité de la boulangerie, c'est la brioche feuilletée. Donc c'est une brioche que je tourne en fin de compte avec du beurre, avec un beurre haute qualité, pour avoir justement avoir toute l'aération et tout le goût qu'elle apporte et la tenue de la brioche surtout. Et dedans, à l'intérieur, je fais un coulis de sucre pour qu'elle soit fondante et extrêmement moelleuse. Voilà. D'accord. Donc c'est un produit qu'on ne trouve pas partout, parce que bon, ça a une certaine façon de faire. Oui, et puis ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais surtout que des produits de qualité, c'est surtout ça. Du beurre de qualité, le beurre, c'est extrêmement important. La moitié de la préparation. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez d'autre à nous proposer ici sur votre stand à Mouzon? Alors, sur le stand, j'ai du pain traditionnel, donc je travaille exclusivement avec un moulin des Ardennes, le moulin de Signé d'Abbaye. Donc pour avoir justement une qualité de farine exceptionnelle, parce qu'ils ont des ateliers, ils nous mettent en route, vraiment c'est très bien. Et donc des farines de blé haute qualité, donc on a la champêtre, donc c'est un pavé, on appelle ça le pavé en courtois, donc avec une mie très aérée, très grasse, qui permet une qualité exceptionnelle, en fin de compte, vous voyez, très aérée, voilà. Avec une variante de pain, donc du châtaigne fil noisette, du céréal noir, du céréal et graines, vraiment une grosse gamme. Je peux pas amener tout ici. Mais non, je me doute bien. Et donc après, évidemment, toutes les viennoiseries, la galette au sucre ardennaise, la galette traditionnelle, voilà. Et le fameux pâté en croûte également. Le pâté en croûte, oui, voilà. Donc là, il est fait avec quoi le pâté en croûte? Viande de porc. Viande de porc avec ma marinade que je prépare moi-même. Ouais. Donc on la laisse mariner pendant 24 heures. Donc feuilletage et viande de porc. Donc c'est pareil, c'est beaucoup de travail aussi, mais pour quelque chose d'une très bonne qualité à la fin. On essaye d'avoir une qualité. De toute façon, c'est l'artisanat. Ouais. Moi, tout passe par mes mains. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur la qualité des produits et des matières premières. Franchement, il n'y a pas de surprise. C'est pour ça que maintenant, il faut venir sur les petits marchés comme ça, paysans, parce qu'ici, on trouve vraiment de la bonne qualité et en plus, pour pas plus cher qu'ailleurs. Donc, c'est vraiment très important que la vie, c'est les prix artisans. Ici, c'est des prix magasins, de toute façon. Donc, c'est pas parce qu'on est sur un marché qu'il faut, faut être raisonnable. On vend des bons produits, on a des bons clients, donc je pense que c'est la meilleure chose. On a affaire, Eh ben super, merci beaucoup, bon courage. Et merci à vous. Présenter. Donc c'est la tome de champignol, c'est ça? Tome de champignol sur Vence. D'accord. Voilà, au lait de vache. Ok. Tu peux nous expliquer recette, un peu comment la recette, elle vient de Luchon, exactement, des Pyrénées orientales. Alors il en fait au poivre, il en fait au cumin, il en fait à la bière et de la nature. Bah oui, tu m'étonnes, c'est bon alors. Bonjour Loïc, présentez-nous un peu votre jambon. Alors, jambon blanc, prélève nos jambons sur nos cochons. Ils arrivent à l'abattoir, de l'abattoir le mardi. On prépare, on dégraisse et on les met en saumure. Donc en saumure classique, sel, poivre, coup de girofle, oignon, échalote, tous les aromates qu'il faut.
Il reste comme ça jusque le samedi, en trempage. Après, on les sèche tout le week-end jusqu'au mardi matin. Le mardi matin, on les remet en trempage et on les fait cuire le mercredi en cuisson sous vide. Cuisson sous vide. Cuisson sous vide pendant 7h, 8h. Ah oui. Voilà, en 65 degrés, pas plus. Et après, on laisse une semaine en sous vide pour qu'ils refroidissent en chambre froide. Donc une semaine avant de le vendre. Ouais. Ça se tient mieux, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de fixateur. Donc ça se tient mieux. Si vous voyez bien, il y a toujours le trou et il se défera toujours un minimum. Enfin, des tranches de supermarché, c'est pas ici. Voilà, exactement. Simplement. Parce que on enlève l'os et forcément quand on reconstitue Toutes les noix de jambon sont là, il n'y a pas d'autres noix qui sont revenues. Ça c'est très important parce que maintenant dans le commerce on ne trouve plus ça. Non, plusieurs noix de plusieurs jambons qui sont revenues sur la même tranche. Et c'est pour ça que là on voit bien la couleur, c'est une vraie couleur bien naturelle de jambon. On voit il est un peu plus rose sur du bas, un peu plus blanc sur celle du haut, tout simplement. La couenne est bien attachée avec la forme du muscle, tout simplement, donc il est là. Le jambon il est là entièrement. Alors ça c'est vraiment le best-seller ici à Mouzon, les gens en raffolent. Hein. Voilà, ça c'est la meilleure vente. On va dire que c'est à peu près ça. Ah bah super. Eh bah, ben j'ai hâte de le goûter. Hein. Ouais. Allez, merci beaucoup. Merci. Bon Romain, on a profité des quelques rayons de soleil qu'on a eu aujourd'hui dans les Ardennes. Du coup, pour faire la petite recette chez toi à l'extérieur. On est bien. Est bien. Hein, super, franchement, qu'est-ce que t'en penses, là ? Les conditions sont optimales. Ouais, des petits arbres, du laurier, etc. Impeccable. Impeccable, on a de quoi faire. Alors bon, qu'est-ce que la recette ? On va faire simplement un truc très simple avec ce qu'on a récupéré du marché tout à l'heure. Donc on va faire une petite tempura de thom des Ardennes, une petite brunoise. Deux pommes dans le fond de l'assiette pour ajouter un peu de croquant, un peu de fraîcheur. Et puis voilà, un peu de salade de chicon. Oui, et puis on mettra juste un petit zeste, un petit peu de clémentine par-dessus. Voilà, donc l'endive c'est un accompagnement, hein, c'est pas nécessaire, on va dresser ça directement sur l'endive. Hein, c'est juste, l'intérêt c'est de montrer la tempura. Exactement, une petite entrée ou alors un petit amuse-bouche sympa pour l'apéro, c'est parfait. Allez, on commence. Tu t'occupes de la pâte à tempura. Bah oui. Et je m'occupe de la brunoise de pommes, c'est parti. Ah. Bon. Je vais commencer par vous montrer en fait. Je prends un verre de farine classique, hein. Tout simplement. Je vais mettre un tout petit peu pour enlever les grumeaux. Je forme un puits. Tac. J'ai de l'eau bien fraîche. Je vais l'incorporer au milieu. L'équivalent d'un demi-verre. Un hiver. On peut même utiliser de l'eau pétillante. Oui, carrément. Hop. On fouette. La pâte doit être homogène. Donc c'est une pâte qu'on va assaisonner un petit peu sel et poivre, mais pas trop, hein, doucement, parce que la tome est déjà un peu salée. Oui. Donc on a quelque chose qui se tient, hein, pâte à beignet tout simplement. Je vais y ajouter un œuf battu. C'est pour donner de l'onctuosité. Tu veux un œuf ? Ah c'est gentil. Allez. Bah, allez, un petit œuf. Tu veux un œuf entier dans ta recette ? Un petit œuf du marché, moi. Un petit œuf du marché. Voilà. Tac. On va le battre. Et l'ajouter. À notre préparation, donc voilà, toi une pâte vraiment bien homogène, lisse. Ce qui est super, c'est que c'est vraiment super simple à faire et on arrive vraiment à faire quelque chose de vraiment sympathique. Ça change complètement des crackers qu'on peut avoir industriels et tout dans le commerce, etc. Même si des pannes, hein, parfois. Donc là, vous pouvez également utiliser la pâte à tempura avec des légumes. Un peu de légumes crus, la pâte à tempura dans la cuisson et ça fait quelque chose de très simple également. La courgette. Hein, courgette, c'est super. La courgette, c'est super puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de cuisson avant. On peut faire ça avec des carottes, mais il faut les blanchir un petit peu parce qu'autrement, c'est trop croquant. Oignon cru, pareil, oignon rouge. Bonne manière de faire déguster des oignons aux enfants, tout simplement, hein, sous forme de comme des calamars un petit peu, petite rouelle. Et puis voilà quoi. Hein. Donc notre pâte elle est faite, c'est bon. Jérémy, qu'est-ce que tu as fait ? Alors avec la tome, on a simplement fait des bâtonnets, très simple.
on laisse la croûte parce que la croûte c'est quelque chose d'essentiel dans un fromage, ça donne beaucoup de goût et beaucoup de calcium, donc on la laisse. Donc ensuite, hop, je te laisse tremper les bâtonnets de tomes des Ardennes dans la pâte en tempura et après on passe à la cuisson. Je prends les bâtonnets de tomes que je vais plonger dans la pâte à tempura. Je les égoutte. J'en fais un pour exemple. Le but c'est de le faire frire en deux fois. Une première croûte, je ressors le tempura, je le retrempe dans la pâte, je le refais frire. Double couche, double croustille. C'est parti pour le dressage, donc une assiette très simple, on a mis un peu de d'endive ciselée au fond de l'assiette. Je te laisse mettre le tempura. Le tempura de tomes des Ardennes, par dessus, délicatement, bien croustillant. La bien chaud. Ouais, carrément bien chaud. Un peu de brunoise de pomme que tu nous as ouais. fait. Hein. Tac. Donc on aura ça au côté un peu sucré salé, acide. Oui. Ça va bien avec le fromage. Ah, ça va contrebalancer vachement bien. Et la deuxième note fruitée, un peu de zeste de clémentine. Très simple. On terminera avec une petite vinaigrette maison sur, sur l'endive. Et voilà, le tour est joué. C'est simple. Hein. C'est très simple et à mon avis, ça va être très bon. On va prendre l'apéritif et puis on va manger ça. Hein. On va manger ça, ouais. Ouais. Allez, merci. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, l'atelier cuisine de Jérémy.